cette journée le concours AQPS de Moulins, donc dans l'Allier, organisé par l'association locale des AQPS. Alors, on va vous expliquer tout ce que c'est et tout ce qui va se passer. Tout d'abord, en demandant au président, tout simplement, Bruno Vagne. Bonjour Bruno. Bonjour Arnaud. Alors déjà, l'Allier, c'est un pôle important et historique des AQPS en France, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Dans l'Allier, on a historiquement des grands élevages d'AQPS qui, depuis 20, 30, 40 ans, et on pense évidemment, si on remonte dans le temps, au fameux Rivoli du Haras de Savoie. On a toujours eu des bons AQPS dans la région et donc voilà, ici c'est l'occasion de les rassembler, de voir une vitrine des principaux élevages du département et en même temps ça permet aux clients de venir voir en une seule fois et en peu de temps beaucoup de chevaux. Oui, donc l'Allier, c'est les Vagnes, c'est les De La Genette, c'est les Civola, désormais les Trappenard, qui viennent gagner un groupe 1 d'ailleurs récemment en Angleterre. Alors qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Quel type de chevaux sont jugés, Bruno? Oui, alors avant de continuer, je veux dire aussi qu'il y a quelques grands autres élevages, hein, notamment je pense au Carillon, au Milavaux, qui sont aussi au cœur de l'actualité en ce moment. Alors aujourd'hui, ce qui va se passer, donc ce matin, on a une présentation de poulinières, là on est en plein milieu, avec leur foal. Alors ce concours a la particularité d'avoir deux classements, un tout d'abord pour les poulinières, et ensuite un deuxième pour les foals. Donc on a deux jurys distincts qui opèrent en parallèle, et qui nous font donc un classement de chaque catégorie. Alors le classement, c'est aussi une façon de revenir au standard de la race pour pouvoir voir les éléments qui en sont le plus proches et faire un petit peu une piqûre de rappel aux éleveurs. Merci beaucoup Bruno. Et bien le classement, donc on va commencer par le classement des juments. On est en plein milieu. Alors je vais vous les présenter. On va présenter les cinq premières de ce classement. Donc la cinquième ici, le numéro 10, c'est Perle du Bocage. Et bien c'est une propre sœur tout simplement. C'est une propre sœur, je vais passer devant vous. C'est une propre sœur de Looping Denet, le champion d'Auteuil, qui s'est malheureusement accidenté dernièrement dans le Grand Steeple Chase de Paris, mais qui a gagné le prix du président de la République et qui a remporté plein de belles épreuves à Auteuil. C'est une fille ici d'Agent Bleu et qui on va se déplacer un tout petit peu si on peut voir sa pouliche. On la verra tout à l'heure, mais elle est accompagnée d'une femelle de Antarctique. Voilà cette petite pouliche de Antarctique, donc une nièce ici de Looping Denet. Alors on va s'avancer un petit peu. On va s'avancer un petit peu pour aller voir le quatrième du classement. Le quatrième du classement, je regarde sur ma feuille, c'est Kerana. Alors Kerana, on parlait tout à l'heure de l'élevage Trappenard. Et effectivement, elle est propriété de Gilles Trappenard, installée à Lalisole, dans l'Allier. C'est une fille de Cadoudal, le grand chef de race des chevaux d'obstacle Cadoudal et Beautiful Lady. Cette Kerana elle-même était très bonne en course, elle a gagné le prix Maurice de La Genette, une épreuve importante sur cet hippodrome de Moulins. Elle s'est imposée également deux fois à Auteuil et c'est la sœur du champion anglais My Will. On note aussi Lady Will et New Will dans cette souche. Elle est accompagnée ici par un mâle de Don Alco et elle a été saillie cette année par Network. Alors on va se tourner désormais pour retrouver le troisième, là plutôt troisième de ce classement, c'est Couzex ici. Alors on va s'avancer un petit peu, on va faire attention de ne pas marcher sur le fil. Voilà, c'est Couzex, une fille de Romain Deschamps et Massada, donc issue d'une origine de Michel Parolot-Delotte dans le Limousin, mais qui appartient à Bruno Vagne, le personnage qu'on vient d'interviewer. Et pour juger, elle est accompagnée ici, Couzex, de sa femelle par Della Francesca. Alors ici, c'est un peu une rareté parce qu'on a très très peu de produits AQPS de Della Francesca. Donc ici, vous pouvez admirer cette petite pouliche très très énergique issue du Della Francesca. Et on va demander à Michel Bourneuf qui va ne pas s'échapper. Michel, viens parmi nous, qui était juge donc des poulinières et qui va avec nous aider à voir et à démontrer donc les modèles des trois premières des juments AQPS. Alors Michel, oui. Pourquoi cette jument a été bien classée ici en l'occurrence à la troisième place du classement? Déjà sur le concours, il y a trois juments qui se détachaient des autres, les trois premières se détachaient. Elle a un aspect général parfait, sauf qu'elle billarde légèrement. Qu'est-ce que c'est billarder? Billarder, c'est envoyer la jambe en dehors de l'axe. D'accord. Voilà. Et elle est très belle, une très belle harmonie. D'accord. Et elle est un petit peu moins d'envolée que les autres. Mais c'est, à point de vue finesse de peau, elle est exceptionnelle. Et c'est une des. On a hésité longtemps pour les trois, mais son petit défaut de présentation aux allures l'a mis troisième. Alors, on va passer donc au deuxième. Alors, le deuxième, c'est qui? C'est le numéro 5, c'est Millésimé. Millésimé, pouliche jument très bien née, fille de Vidéo Rock. Et Briffo, c'est donc la propre sœur de Hard Rock, gagnant du prix Edmond Barachin, un groupe 3 à Auteuil. Et plus récemment, la demi-sœur ou propre sœur, je ne sais plus,
On va pas se faire prendre en photo. De sortie de secours qui vient de s'imposer à un bon niveau récemment à Auteuil. Alors, Millésimé est accompagné de sa femelle baie par Alberto Giacometti, mais on en parlera plus précisément tout à l'heure lorsqu'on vraiment on fera le concours des foals. Alors, Millésimé, Michel, dites-nous tout. C'est une jument qui a beaucoup de modèles. Très très belle poulinière. La seule chose, naturellement, elle a tendance à s'effacer un petit peu, c'est-à-dire que les antérieurs sont un peu sous elle. C'est son seul défaut et puis une petite coquetterie dans son déplacement, il ne met pas méchant. C'est pour ça que les secondes, il fallait choisir entre les deux, donc on a choisi celle de la seconde à cause de ceci. Alors, il fallait choisir donc entre cette millésimée et la gagnante, qu'on va découvrir dans quelques instants. La gagnante, c'est Mystéa. La gagnante, présentée par l'éminent André Quesny, sous Panama. Voilà, Mystéa, une sœur de la toute bonne Oléa, jument de plat qu'on a bien connu, qui a gagné 5 courses plates dans le registre des bons lots d'AQPS de femelles. Une fille de Ragmar, Mystéa, donc Alzane comme son père Ragmar, qui est suitée d'une femelle de Fairly Handsome et qui est pleine de vendangeurs. Alors, Michel, pourquoi cette jument a été classée première? Une harmonie remarquable. Et puis déjà, j'ai demandé à son éleveur depuis le classement, elle a déjà été première comme foal. Donc déjà, elle avait promis. Et puis, elle a aucun défaut, sauf qu'on pourrait peut-être lui demander d'avoir un petit peu plus de sature. Voilà, c'est tout. Bien, une petite interview du grand vainqueur, André Quesny. Alors André, Mystéa, raconte-nous un peu son histoire. Tu l'as élevée toi-même? Elle a déjà été gagnante d'un concours, donc? Ouais, elle a été gagnante en foal à Decize. D'accord. Donc le 6 qui est la grande finale des concours, hein, je le précise. Alors tandis que Bruno Vagne nous amène ce premier prix, voilà. Hein, voilà, tout fier de nous présenter ce premier prix, André. Donc cette jument-là, tu l'as achetée, comment tu l'as trouvée? Je vais acheter sa mère, Galtea, chez M. Merlin. Et puis elle m'a sorti celle-là, elle n'a pas marché, elle a eu un problème à une épaule. Et puis Oléa qui était toute bonne, quoi. Et puis j'ai eu l'Ortea qui est morte. Bah c'est pas gay, dis donc. Bah non, non, c'est pas très gay. C'est pas très gay. Bon, on a eu la chance quand même d'Oléa, quoi. Ouais, très bonne jument. Et on va voir, là, j'ai une autre pouliche, là, un poulain d'elle, là, qui est pas mal, là. Très bien. Ouais. Eh ben, on va suivre ça avec intérêt. Merci, André, et on se retrouve tout à l'heure pour le classement des foals. A tout de suite. On se retrouve donc à Moulins, à Moulins sur Allier, sur l'hippodrome de Moulins, pour le classement des foals du concours de l'Allier. Donc le classement des foals, André, on va avancer, s'il te plaît, le foal pour voir le cinquième. C'est une femelle issue de Fairly Handsome et Mystéa qui a gagné tout à l'heure le concours des poulinières. Donc Mystéa qui est une sœur d'Oléa. Donc ici nous avons une nièce de la bonne jument de course AQPS de plat, Oléa. On va passer désormais au quatrième. Le quatrième qui va être un peu devant nous, c'est le numéro 9 qui va être sur notre gauche. Le numéro 9, c'est donc le produit de Couzex. C'est donc une fille de Della Francesca. Donc c'est Tétalon qui est beaucoup plus réputé dans les pur sang, mais qui a fait quelques AQPS cette année. Ici, cette fille de Della Francesca et Couzex, donc une jument appartenant à Bruno Vagne, mais issu d'une origine de Michel Parot de Lotte, d'anglo-arabe, d'agrabe de complément, dans le Limousin. Désormais, on va se déplacer, on va traverser un petit peu la piste. Venez, suivez-moi, on va aller voir le troisième défaut, le troisième qui se situe là-bas. Et on va appeler au passage Dominique Bressot, qui était un des juges défaut. Dominique, viens avec nous. Dominique, qui va nous présenter ce produit. Donc, le numéro 5, c'est Millésimé. Millésimé, donc la sœur d'un gagnant de groupe, hein, la sœur de Hard Rock, gagnant de groupe 3 à Auteuil. C'était le prix de Montbarrachin et la sœur de sortie de secours, donc la poulinière. Sortie de secours qui vient de s'imposer récemment à Auteuil. Et ici, c'est un mâle de Alberto Giacometti. Dominique, et donc vous étiez juge des foals. Expliquez-nous pourquoi vous avez classé ce foal en troisième position. Eh bien, disons que c'est un mâle qui est beau. Et le classement a été assez difficile. On a peut-être pris un peu plus par la taille pour se classer le numéro 1 en premier. Et peut-être lui est venu en troisième position pour la taille, peut-être. Mais ça a été un classement assez difficile. D'accord. Eh bien, désormais, on va suivre. Suivez-nous, Dominique, s'il vous plaît. On va suivre le numéro 8 qui s'est classé en deuxième position. Le numéro 8, c'est donc un mâle issu de Epalo et Perle de Marcigny, elle-même une fille de Bullington qui s'est placée à plusieurs reprises. Ce foal nous était proposé par Daniel Polak. Donc, ici, un foal de Epalo. Dominique, qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est un foal qui ressemble beaucoup au numéro 3, enfin celui qui a été troisième, mais peut-être plus d'amplitude dans son action, dans sa façon de se déplacer, peut-être un peu plus de souplesse. C'est ce qui l'a fait peut-être mettre en deuxième position. Alors, en deuxième position, classé derrière donc le premier. Alors le premier, on va le découvrir dans quelques instants, on va faire le tour, venez avec moi. Viens Dominique. Présenté par Joël Mal,
C'est un foal, je reprends en papier. Ah, un foal de Network, le talent très à la mode, Network, le père du rugby ball. Network et Gazelle de Toury, une fille de Brezzo qui compte une victoire et trois places. C'est une souche qui vient de la Saône-et-Loire, de monsieur Joannine Monceau, l'éleveur de Horizon de Toury. Gazelle de Toury, c'est donc, on reconnaît, le même élevage. Dominique, alors pourquoi ce foal a été classé en première position? Ben disons que beaucoup, celui-là a vraiment beaucoup d'amplitude, beaucoup de souplesse, assez agréable à voir. Il s'est déplacé un peu au galop et j'ai trouvé qu'il avait beaucoup, beaucoup d'action, enfin, assez plaisant à voir se déplacer. C'est pour ça que j'en l'ai mis en. Enfin, moi, je l'ai mis en première position. Alors, on va aller voir l'éleveur. On va aller voir l'éleveur, monsieur. Alors, vous êtes fier de vous? Ben, content, satisfait. Satisfait, c'est bien. Alors, on va vous présenter un petit peu. Vous êtes éleveur dans la Nièvre? Cercy-la-Tour. Oui. D'accord. Et vous avez combien de poulinières? Deux poulinières. Voilà. Et ça fait longtemps, combien de temps que vous élevez? Bon, ça fait une trentaine d'années. Vous êtes un fidèle parmi les fidèles. Est-ce que c'est la première fois?